Alors, je me nomme Yasmina Ouidad, je suis chef jardinier sur le domaine national de Champs-sur-Marne et Jossigny. Alors, au quotidien, on commence à 7h30 ici. C'est des briefs de l'équipe, un peu le matin. Comme j'ai un adjoint qui gère plus l'équipe, moi, mon quotidien, c'est je suis plus sur les chantiers, les entreprises d'externalisation, les marchés, et le nez sur le budget. Passionné, ça c'est clair, aimer la nature. Voilà, mais bon, s'il n'y a pas une passion du métier, c'est faut oublier, quoi. C'est très chronophage en temps et en énergie quand même. C'est des jardins mixtes. Ça veut dire qu'il y a une partie à la française. Ici, on a du paysager et du forestier. Donc, on travaille sur trois différentes méthodes. Voilà, que si vous n'avez qu'un jardin paysager ou que du forestier, ou que du régulier. Là, c'est un jardin, ce qu'on appelle un jardin mixte. Donc, il y a trois façons différentes de travailler sur ces trois parties. Alors, elle a changé. Quand je suis rentré ici au début de carrière, j'ai parti à la française. J'étais là, waouh, c'est beau, c'est carré. En vieillissant, je préfère les parties paysagées et les sous-bois, les choses irrégulières. La nature, tous les jours, vous avez des découvertes. Hein. Même au bout de 14 ans, je découvre des trucs. Hein. Un matin, on a découvert un petit renard qui était tombé dans les douves, les deux à l'extérieur, et il ne pouvait plus sortir. Et à l'époque, on a dû prendre toute l'équipe jardin pour le bloquer dans un coin, et on l'a attrapé avec une épuisette à carpe. Et après, on l'a relâché dans la cour d'honneur, et puis j'espère qu'il est toujours vivant.